Train my mind so I'll forget. Sink your teeth into my bones. Dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Eh bien salut tout le monde, c'est Clibood et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau petit jeu Happy Wars qui est disponible sur Steam. Donc j'avais dit que je ferais plus de deux vidéos par jour, mais en fait je me suis rendu compte qu'au final j'avais tout le temps. Et du coup j'en ai profité pour en faire un peu moins. Oui, je changeais paramètres et on y va. Alors faut savoir que le jeu est sorti il y a à peine un mois. Et qu'on ne peut pas changer les commandes, du coup, bah, moi je suis avec du WASD, voilà. Du coup, c'est plutôt compliqué, parce que j'ai pas l'habitude. Donc, nous, on va faire des petits modes escarmouche pour vous présenter un peu le jeu. Donc, je viens de commencer, donc je n'ai absolument rien débloqué. Donc là, je vous passe pour éviter de vous spoil. Donc, on a les attaques, les choix d'aptitude avec le space, et ensuite, on choisit avec ce qu'on veut. Le problème c'est que je n'ai pas remarqué comment on changeait de touche. Donc j'espère que ça vous plaira. J'ai demandé peut-être à Texas de télécharger dès qu'il revient parce que c'est vraiment fun, c'est marrant. Donc il est disponible aussi sur Xbox gratuitement. Donc ok, bon bah. Ouais, je veux. Donc là c'est une. Ouais. Tu peux zoomer et dézoomer. Ok. Allez, hop, là il y a un ennemi. Donc là, on s'en fout. Allez. Donc là, on clique droit pour le tuer. Donc là, on a un perso de type extrêmement fort, hein, qui a une grosse armure. Donc oui, je sais. Donc ça, en fait, c'est des compétences sur Xbox. Je regarde juste. Ah d'accord. Bon bah... Faut lui lancer ça à la gueule. Ah d'accord, il a fait suffisant de cliquer. D'accord. Bon. Hop, voilà, donc ensuite... Ok, PA, point d'action. Alors regarde l'œil sur la jauge, ok. Ensuite, essaie d'être utilisé, ok, 9, 5, 5. Bah, on fait. Ok, moi j'ai des petits bugs par contre. Voilà, on continue à l'attaquer. Donc là, on a un perso vraiment très très fort, hein, je vous... Ok, appuie sur mouse 2. Là, on prend 0 dégâts et on le finit à la fin. Gain de niveau, on a monté niveau 2. Ok, bon bah maintenant je dois utiliser un nouveau. Ok, bon. Bien joué, élimine ce 21 d'entraînement. Bon. Tourbillol ! Ok, ensuite là. Alors là ce sont des tours, en fait. Quand vous mourrez, vous pourrez... Donc vous construisez des tours comme ça. Donc normalement vous avez une team, donc ça va beaucoup plus vite. Hein. Donc vous avez une team, et plus vous construisez de tours, quand vous mourrez, vous pourrez respawner sur ces tours. Voilà, donc là il va vous le montrer. En fait là on meurt. Là, il y a un éclair, je sais pas pourquoi, voilà. Hop. Trouvez une excuse. Donc là vous choisissez votre classe, donc nous on en a qu'une pour l'instant, donc hop on accepte tout. Et là vous voyez j'ai déverrouillé cette tour, du coup au mieux de spawner dans ma base, je peux spawner sur cette tour. Et donc là on a la tour ennemie, donc soit des petits lions, je crois que c'est un petit tigre aussi, enfin bref dans ce style là. Donc là on a tous les alliés. Ah oui bah d'accord. Combat.
Donc là normalement je pense que c'est un... Je pense que c'est un match normal, donc on va bien voir. J'espère que le son n'est pas trop fort, normalement c'est bon, j'ai réduit à peu près. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite, à plein. Hop, donc moi j'ai une team OP, hein, mais je crois que les mecs en face ont une bonne team aussi. Donc, hop, ok, c'est pour bloquer. Donc j'ai fait qu'une seule partie avec mon perso. Personnellement, je joue soit guerrier, soit mage, pour être ça me tente pas trop. Là, il y a plein de monde. On tourbille lol. Hop, moi j'en profite pour construire. Voilà, on construit, on les a tous butés. Donc vous pouvez un peu rien voir parce que c'est vraiment un combat de malade. Allez, venez. Voilà, on les expose. On les défonce. Voilà. Tourbilol. Ok, il veut pas faire son tourbilol. Je vais mourir. Ok, il y a un prêtre. Donc là, on a vu le prêtre. Hein. Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas utiliser sa capacité. D'accord, faut spam. La barre d'endurance est presque morte. On va faire gaffe, hop. C'est bon, tout le monde est mort. On va essayer d'aller capturer le point. Donc là, on va tuer Léonard. Tu n'as pas le droit de vivre. Alors, il y a aussi des interactions avec le décor. Vous verrez, je pense. Voilà. Donc déjà, là, le fait de construire des tours, c'est déjà une interaction. Donc là, vous voyez, il spawn ici. Donc là, on détruit la tour. Du coup, là, ils ne peuvent plus spawner. Il suffit juste qu'on tue Léonard, voilà. Léonard, décidément, il apparaît un peu trop. Donc voilà, on va spawner. Et normalement, sur certaines maps, vous pouvez construire des tours, des catapultes. Vous pouvez aussi construire un truc qui fait tomber des pierres. Enfin non. Hop, on utilise le tourbilol. Tu as éteint le château ennemi. Détruis la porte du château. Gare aux flèches de baliste. Donc oui, donc le château est bien défendu quand même. Hein. Faut pas non plus déconner. Donc normalement, on peut normalement ici construire des choses. Je ne sais pas où c'est. Ok, je prends relativement cher, on va se défendre. Je n'arrive pas à me défendre. Je ne comprends pas ce que c'était ça. Ah d'accord, ce sont des mages. L'épée est relativement forte. Après on va voir, vous aurez sans doute du League of Legends aussi sur la chaîne. Bon là je vais faire une ou deux parties puis... Allez là on le défonce. Tourbilol, je sais pas si ça fait des dégâts. On fout le spam. Nos dégâts. Ah voilà. Là vous voyez, là faut construire quelque chose. Et là en fait ça va être le baliste. Et vous allez voir, ça fait d'énormes dégâts. C'est parti. Voilà, hop, on recule. Hop, on défonce, donc il y a un petit temps quand même. Hein. C'est parti. Boum. Et là, vous défoncez la tour. Là, la porte, pardon. C'est parti, encore une fois. Boum. Encore un petit coup. Non, c'est bon, ça va finir. Ça va suffire. Mon choix. La petite surpuissante. Charge de groupe. Ah, voilà. Et vous avez aussi une interaction. Où en fait, il suffit juste de vous mettre donc sur une... Allez, allez, là je comprends pas trop ce qu'il faut faire. Bon. Bon. Il veut pas utiliser aptitude collective. Ah voilà. Donc là j'ai placé mon aptitude collective. Donc normalement il y a des petits cercles qui vont se mettre au sol. Mais là je sais pas pourquoi on les voit pas. Là on va se barrer. Heureusement qu'on a un prêtre quand même qui est un peu cheaté. Il rend toute ma vie. Ok, j'ai utilisé ma capacité n'importe comment. On va continuer à défoncer. Le but, c'est de détruire cette tour là. On va tenter de tuer quelques personnes. Mais là, c'est très dur. Ils ont un temps de respawn de 10. Donc voilà, je suis mort. On va sélectionner. Donc oui, on est un peu obligé. Hop. Et on va prendre la tour 1 pour arriver là. Normalement, je vais jouer comme ça. Voilà, là, je les appelle. Et là, ils chargent. Vous voyez? Vous avez vu? Attendez. Je les rappelle. Et là, vous voyez, donc là, il va y avoir des petits ronds. Ils vont devoir se mettre. Donc là, dès qu'il y en a, dès qu'il y aura tout, assez de monde, je pourrais l'utiliser. Hop, un. Et là, on charge tout le monde. Et là, voilà. Voilà, donc ça, c'est une compétence en groupe que vous pouvez utiliser en multi. Ok, donc là, elle est bien cette capacité, mais je ne comprenais pas le délire.
Donc peut-être qu'il faut taper la tour du coup maintenant. Ah oui, non, c'est vrai. Ah, et voilà, là on la défonce. Et donc on a fini la game. C'est comme ça qu'il faut jouer. Là je vais jouer. Donc voilà, on les a capturés. Très drôle. Une victoire totale, je sais, merci. Hop, ton équipe a gagné, donc c'est parfait. Donc bah, vous voyez que quand même c'est des persos assez forts qu'on a. Après évidemment, je vais jouer maintenant en PVP, en PV, je sais plus. Bon, on peut jouer contre des bots aussi, c'est intéressant. Par contre moi ça me nique les doigts quand c'est... quand c'est comme ça. Donc nous on va faire un petit multijoueur, on va faire une partie rapide. On va faire une map qu'on n'a pas fait. Il y a une map que j'aime bien. C'est désert je crois. On va sélectionner celle-là. Non, sélectionner, fermer. Donc on peut jouer avec ses amis, bien sûr, vous avez vu. Donc là on attend. On attend. Bah écoutez, je vais vous passer le chargement. Et puis on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Eh bien salut tout le monde, c'est Clibood et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau petit jeu Happy Wars qui est disponible sur Steam. Donc j'avais dit que je ferais plus de deux vidéos par jour, mais en fait je me suis rendu compte qu'au final j'avais tout le temps. Et du coup bah, j'en ai profité pour en faire un peu moins. Oui, je change ses paramètres et on y va. Alors faut savoir que le jeu est sorti il y a à peine un mois. Et qu'on ne peut pas changer les commandes, du coup, bah, moi je suis avec du WASD, voilà. Du coup, c'est plutôt compliqué, parce que j'ai pas l'habitude. Donc nous, on va faire des petits modes escarmouche pour vous présenter un peu le jeu. Donc, je viens de commencer, donc je n'ai absolument rien débloqué. Donc là, je vous passe pour éviter de vous spoil. Donc on a les attaques, les choix d'aptitude avec le space, et ensuite on choisit avec ce qu'on veut. Le problème c'est que je n'ai pas remarqué comment on changeait de touche. Donc bah, j'espère que ça vous plaira. J'ai demandé peut-être à Texas de le télécharger dès qu'il revient parce que c'est vraiment fun, c'est marrant. Donc il est disponible aussi sur Xbox gratuitement. Donc ok, bon bah. Oui, je veux. Donc là c'est une. Ouais. Tu peux zoomer et dézoomer. Ok. Allez, hop, là il y a un ennemi. Donc là, on s'en fout. Allez. Donc là, on clique droit pour le tuer. Donc là, on a un perso de type extrêmement fort, hein, qui a une grosse armure. Donc oui, je sais. Donc ça, en fait, c'est les compétences sur Xbox. Je regarde juste. Ah d'accord. Bon bah... Faut lui lancer ça à la gueule. Ah d'accord, il a fait suffisamment de cliquer. D'accord. Bon. Hop, voilà, donc ensuite... Ok, PA, point d'action. Alors regarde l'œil sur la jauge, ok. Ensuite, essaie d'être utilisé, ok, 9, 5, 5. Bah, on fait. Ok, moi j'ai des petits bugs par contre. Voilà, on continue à l'attaquer. Donc là, on a un perso vraiment très très fort, hein, je vous... Ok, appuie sur mouse 2. Là, on prend 0 dégâts et on le finit à la fin. Gain de niveau, on a monté niveau 2. Ok, bon bah maintenant je dois utiliser un nouveau. Ok, bon. Bien joué, élimine ce 21 d'entraînement. Bon. Tourbillol ! Ok, ensuite là. Alors là ce sont des tours, en fait. Quand vous mourrez, vous pourrez... donc vous construisez des tours comme ça. Donc normalement vous avez une team, donc ça va beaucoup plus vite. Hein. Donc vous avez une team, et plus vous construisez de tours, quand vous mourrez, vous pourrez respawner sur ces tours. Voilà, donc là il va vous le montrer. En fait là on meurt. Là, il y a un éclair, je sais pas pourquoi, voilà.
trouver une excuse. Donc là, vous choisissez votre classe. Donc nous, on en a qu'une pour l'instant. Donc hop, on accepte tout. Là, vous voyez, j'ai déverrouillé cette tour. Du coup, au mieux de spawner dans ma base, je peux spawner sur cette tour. Et donc là, on a la tour ennemie. Donc soit des petits lions, je crois que c'est un petit tigre aussi. Enfin bref, dans ce style-là. Donc là, là, on a tous les alliés. Ah oui, bah d'accord. Combat. Donc là normalement je pense que c'est un match normal, donc on va bien voir. J'espère que le son n'est pas trop fort. Normalement c'est bon, j'ai réduit à peu près. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite à plein. Hop, donc moi j'ai une team OP hein, mais je crois que les mecs en face ont une bonne team aussi. Donc hop, okay, c'est pour bloquer. Donc j'ai fait qu'une seule partie avec mon perso. Personnellement je joue soit guerrier soit mage, pour être ça me tente pas trop. Là il y a plein de monde. On tourbillole. Hop, moi j'en profite pour construire. Voilà, on construit, on les a tous butés. Donc vous pouvez un peu rien voir parce que c'est vraiment un combat de malade. Allez, venez. Voilà, on les expose. On les défonce. Voilà. Tourbillole. Ok, il veut pas faire son tourbillole. Je vais mourir. Ok, il y a un prêtre. Donc là, on a vu le prêtre. Hein. Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas utiliser sa capacité. D'accord, faut spam. La barre d'endurance est presque morte. On va faire gaffe. Hop, c'est bon, tout le monde est mort. On va essayer d'aller capturer le point. Donc là, on va tuer Léonard. Tu n'as pas le droit de vivre. Alors, il y a aussi des interactions avec le décor, vous verrez, je pense. Voilà. Donc déjà, là, le fait de construire des tours, c'est déjà une interaction. Donc là, vous voyez, ils spawnent ici. Donc là, on détruit la tour. Du coup, là, ils ne peuvent plus spawner. Il suffit juste qu'on tue Léonard. Voilà. Léonard, décidément, il apparaît un peu trop. Donc voilà, on va spawner. Et normalement, sur certaines maps, vous pouvez construire des tours, des catapultes. Vous pouvez aussi construire un truc qui fait tomber des pierres. Enfin non. Hop, on utilise le tourbillole. Tu as éteint le château ennemi. Détruis la porte du château. Gare aux flèches de baliste. Donc oui, donc le château est bien défendu quand même. Hein. Faut pas non plus déconner. Donc normalement, on peut normalement ici construire des choses. Je ne sais pas où c'est. Ok, je prends relativement cher. On va se défendre. Je n'arrive pas à me défendre. Je ne comprends pas ce que c'était ça. Ah, d'accord, ce sont des mages. L'épée est relativement forte. Après on va voir. Vous aurez sans doute du League of Legends aussi sur la chaîne. Bon là je vais faire une ou deux parties puis. Allez là on le défonce. Tourbillon. Je sais pas si ça fait des dégâts. On fout le spam. Nos dégâts. Ah voilà. Là vous voyez, là faut construire quelque chose. Et là en fait ça va être le baliste. Et vous allez voir, ça fait d'énormes dégâts. C'est parti. Voilà, hop, on recule. Hop, on défonce. Donc il y a un petit temps quand même. Hein. C'est parti. Boum. Et là vous défoncez la tour. Là, la porte, pardon. C'est parti, encore une fois. Boum. Encore un petit coup. Non, c'est bon, ça va finir. Ça va suffire. Mon choix, la petite surpuissante, charge de groupe. Ah voilà. Et vous avez aussi une interaction où en fait il suffit juste de vous mettre donc sur une. Allez, allez, là je comprends pas trop ce qu'il faut faire. Bon. Bon. Il veut pas utiliser aptitude collective. Ah voilà. Donc là j'ai placé mon aptitude collective, donc normalement il y a des petits cercles qui vont se mettre au sol, mais là je sais pas pourquoi on les voit pas. Là on va se barrer, heureusement qu'on a un prêtre quand même qui est un peu cheaté, il rend toute ma vie. Ok, j'ai utilisé ma capacité n'importe comment. On va continuer à défoncer, le but c'est de détruire cette tour là. On va tenter de tuer quelques personnes, mais là c'est très dur, ils ont un temps de respawn de 10. Donc voilà, je suis mort. On va sélectionner, donc oui on est un peu obligé, hop. Et on va prendre la tour 1 pour arriver là. Normalement,
Je vais jouer comme ça. Voilà, là je les appelle. Et là ils chargent. Vous voyez? Vous avez vu? Attendez. Je les rappelle. Et là vous voyez, donc là il va y avoir des petits ronds. Ils vont devoir se mettre. Donc là, dès qu'il y en a, dès qu'il y aura tout, assez de monde, je pourrais l'utiliser. Hop, un. Et là on charge tout le monde. Et là voilà. Voilà. Donc ça c'est une compétence en groupe que vous pouvez utiliser en multi. Ok, donc là. Elle est bien cette capacité, mais je ne comprenais pas le délire. Peut-être qu'il faut taper la tour du coup maintenant. Ah oui, non, c'est vrai. Ah, et voilà, là on la défonce. Et donc on a fini la game. C'est comme ça qu'il faut jouer. Là je vais jouer. Donc voilà, on les a capturés. Très drôle. Une victoire totale, je sais, merci. Hop, ton équipe a gagné, donc c'est parfait. Donc bah, vous voyez que quand même c'est des persos assez forts qu'on a. Après évidemment, je vais jouer maintenant en PVP, en PV, je sais plus. Bon, on peut jouer contre des bots aussi, c'est intéressant. Par contre moi ça me nique les doigts quand c'est comme ça. Donc nous on va faire un petit multijoueur, on va faire une partie rapide. On va faire une map qu'on n'a pas fait. Il y a une map que j'aime bien. C'est désert je crois. On va sélectionner celle-là, non sélectionner, fermer. Donc on peut jouer avec ses amis, bien sûr, vous avez vu. Donc là, on attend. On attend. Bah écoutez, je vais vous passer le chargement. Et puis on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.